Vous avez vu très actif encore aujourd'hui dans l'échappée. L'objectif c'était quoi? C'était une victoire, vraiment une victoire d'étape? Bah, l'objectif c'était un peu cacher ma déception de hier, parce que voilà, je pensais être dans une super forme, et voilà, hier je suis vraiment déçu de mon chrono, et aujourd'hui en fait je suis vraiment content de ma journée parce que les gens m'étaient revenus. Voilà, c'est comme ça, il y a des jours sans, des jours avec, et aujourd'hui j'avais vraiment de bonnes sensations et je voulais vraiment aller devant. Voilà, pour aller gagner une place au général, c'est peut-être anecdotique, mais pour moi c'est important, ça remonte mon moral parce que j'ai eu une petite période difficile en juin-juillet avec une méforme. Et voilà, ça revient, et c'était pour aussi finir la semaine en beauté parce qu'on a une grosse équipe, Total Direct Energy, avec Niki sur le podium. On était à l'avant du peloton toute la semaine, et on voulait finir avec l'échappée et aussi le podium du général. Donc on met deux mecs dans le top 10, et voilà, on est satisfait de notre semaine, et ça lance l'équipe pour la fin de saison. Aujourd'hui on a vu une belle collaboration dans l'échappée. Qu'est-ce qui vous a manqué? Il manquait peut-être un ou deux éléments en plus, malheureusement, peut-être un ou deux rouleurs de plus. Voilà, on a vraiment joué jeu égal jusqu'à 30 km de l'arrivée, donc franchement, les gars, ils étaient motivés. Après, voilà, je sais qu'en plus, on avait vent trois quarts face, donc faut être solide, faut savoir gérer sa journée. Et voilà, peut-être qu'il y a des coureurs qui ont moins bien géré que d'autres, mais je suis content du groupe d'échapper. Ils ont tous donné le maximum. De toute façon, quand tu es devant, après, on donne tous le maximum, donc il n'y a rien à regretter. Vous le disiez, le bilan collectif reste quand même très satisfaisant, avec la troisième place du Petit Abstra, vous 9e, donc. Ouais, bon, on venait pour gagner, voilà, mais... on s'est fait battre plus fort, voilà, la porte est à un gros niveau aujourd'hui, et il était imbattable sur ce tour du Poitou-Charente. Niki a donné le maximum, et surtout on peut noter vraiment l'équipe a donné le maximum. On a été digne d'une grande équipe, en étant placé toute la semaine en tête de peloton, et en assumant notre rôle avec Niki, qui est un grand leader, et voilà, c'est prendre des automatismes pour des futures courses. Très bien, merci beaucoup.